Salut les voyageurs! Hello. Donc, on vous fait un petit feedback. Donc là, on est à Lanzarote et ça fait déjà quelques jours qu'on y est. Donc, on a fait notre traversée de 5 jours. Bon, voilà, on a eu des belles choses, des choses un peu plus problématiques. Et du coup, ben, on a eu quelques réparations à faire. Donc, on a pu réparer notre moteur. Qui avait fait, donc on appelle ça de la mayonnaise, donc il y a eu de l'eau dans l'huile. C'est pas bon à manger. Ouais. T'as goûté? L'huile, non. Le gasoil, oui. Donc on a réparé ce problème de moteur, on a remonté en fait les pots d'échappement qui étaient apparemment un petit peu trop bas, donc il y a l'eau qui a réussi à remonter. Donc on verra si ça va avec ça. Et oui, effectivement, t'as goûté le gasoil, parce qu'en fait pendant notre traversée on a dû prendre du gasoil de la cuve du moteur qui fonctionnait pas à bâbord pour pouvoir la mettre dans l'autre cuve à tribord. Il est en forme, Patrice. J'aurais pu faire un cracheur de feu. Et voilà. Et donc sinon qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a amélioré un petit peu parce qu'on a vu quelques fragilités au niveau du portique arrière qui soutient l'annexe, donc le bossoir. Donc en fait on a fait faire réparer en fait l'arrière du bateau du bossoir arrière. Et puis on a aussi du coup optimisé des petites choses pour au niveau des efforts des écoutes de la grande voile. Donc c'est les bouts qui permettent de retenir la baume. Et on a réparti un petit peu les tensions sur plusieurs cadennes plutôt que sur qu'une. Je crois que c'est tout ce qu'on a fait. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, on est à jour. Donc on est plutôt content. Et vous allez pouvoir voir un petit peu en image ce qu'on a fait. Puis on a commencé enfin à visiter et voyager en fin de compte. Et oui, il était temps. Donc voilà, on vous met ça en image. Et puis on vous dit à tout bientôt. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao. Derrière le bossoir, on voit bien, en fait le bois il est tout pourri. Voilà. Mais c'est localisé en fait. Mais voilà, il faut le faire parce que sinon on perd le bossoir. Alors Patrice, ça donne quoi cette cadenne d'écoute de VV? C'est bon, la structure est bonne en dessous, donc là ils vont juste, s'il n'y avait pas de cica, il n'y a rien, donc ils vont mettre du cica pour assurer l'étanchéité et qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre par les vis. Ok. Parce qu'en fait, on a vu juste à côté de cette cadenne, il y a un autre endroit, une ancienne réparation. En fait, il y avait une cadenne avant, la cadenne était à côté et ça a cassé. Et ils n'ont pas rebouché le trou, donc il y a de l'eau qui est rentrée à côté. Et ils ont mis la cadenne à quelques centimètres à côté. D'accord. Et du coup, nous, on va faire comme il faut à côté l'ancienne réparation qui est faite pas très bien. Hein. Elle est faite n'importe comment. Voilà. Donc, on va refaire ça aussi. Et puis, on va essayer de repartir du mieux possible. Yes. Le moins de soucis possible dans des pays où il y a moins de chantiers, de moins de pièces qu'on puisse récupérer. Donc voilà, et puis pour la traversée de l'Atlantique aussi, ce serait bien que tout soit propre. On soit opérationnel. Yes. Donc petit point sur le moteur. Donc ici ils ont relevé le col de cygne de l'échappement là, ici, là, parce qu'il était trop court, et c'est ce qui a créé, semble-t-il, la mayonnaise dans le moteur. Ils ont aussi donc accordé ici
le répartiteur de charge avec le petit fil brun qui va finalement ici et qui sert à exciter l'alternateur qui est là. Réserve de le parc national de Timanfaya et donc c'est où il y a toute l'activité volcanique de l'île de Lanzarote et la dernière éruption donc elle date de 1824 où elle a duré environ 86 jours donc ça a formé trois cônes volcaniques et la coulée de lave elle s'est étendue sur 14 km allant jusqu'à la mer. Une grotte sous Lanzarote en fait. C'est pas vraiment une grotte, c'est une coulée de lave qui a créé un tunnel et c'est super. Les pointes en fait des îles et entre les îles elles-mêmes et en fait tu passes de 0 nœud, enfin il y a les 5 nœuds vent arrière à là bas 25 nœuds en face, 30 degrés du vent à peu près, donc voilà, il faut être assez attentif. Nous voilà à Fuerteventura, dans la ville de Gran Tarajal, la ville aux multiples dessins. Vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une plante qui pousse avec avec ce climat là, avec ces roches. Elle est où? Là, il y en a plein. Là, il y a une petite. Du coup, il protège. Ouais, c'est une super idée que vous avez eue, dis donc. C'est qui a trouvé cette plante? Moi. Ah bah, t'as de bons yeux. Parce qu'il faut dire plutôt que c'est aride ici, hein. Il n'y a pas beaucoup de plantes. Ah, tiens, une belle plante. Vous expliquez quelque chose? Oui, là, c'est une rivière d'eau. Parce que quand il pleut, il y a plein
c'est vrai que c'est une partie de la balade où il y a pas mal de végétation. Pas mal, enfin, on s'entend, hein, tout est relatif. Sur l'île de Fuerteventura, nous sommes arrivés à peu près il y a 4 jours depuis Lanzarote. Donc c'est une ville qui comprend 116 000 habitants, un peu plus, et ça fait d'elle donc la quatrième île la plus peuplée de l'archipel des Canaries. Sinon, donc sa superficie vaut qu'elle elle est la deuxième île la plus grande, avec sa ville principale qui est Puerto del Rosario. Son point culminant est le pic de la Zarza, qui culmine à 807 mètres. Donc c'est une île qui vit principalement du tourisme. Voilà, c'était pour la petite info île. Allez, on suit en image. Ciao. Donc en fait, vous pouvez voir ici, on a un premier bassin d'évaporation, donc qui est complètement étanche, hein, comme une piscine, donc il va rester pendant 10 à 12 jours à cet endroit pour atteindre une certaine température. Ensuite, ils mettent l'eau dans un deuxième bassin qui se trouve ici, et là ils attendent environ 25 jours aussi pour atteindre une certaine température, et après c'est mis dans les derniers bassins où en fait là ils attendent l'évaporation complète de l'eau. Et du coup, ils recueillent le sel et ils le mettent en fait sur des petits tas sur le côté pour que ça sèche encore. Et la particularité en fait de ce sel de la Salinas del Carmen, c'est qu'en fait, ils récupèrent l'eau de mer avec les vagues, donc c'est l'écume. Et apparemment, il y a une particularité où voilà, il y a pas mal de minéraux grâce à ça. Et l'exploitation maintenant, par rapport à avant, elle est uniquement de 10%. Terre aride où les plantes se battent pour trouver leur place, un peu comme une personne autiste dans notre société. Ayons un autre regard sur la différence, ayons un autre regard sur l'autisme.